Basar Yain Mutsa E Tisha B'Av. Non, non. Ça, c'est Yom Rishon Beit Hanan. C'est Yom Shishi. Tisha B'Av, Shehal B'Shabbat, Minit Hali Yom Rishon. Quand Tisha B'Av tombe en Shabbat, et on le repousse à dimanche. C'est Odam Afseket, Vadimatai Ochel. Le dernier repas avant le jeûne, et jusqu'à quand on peut manger. Tisha B'Av Shehal B'Shabbat, Venitha Yom Rishon. Un Tisha B'Av qui tombe Shabbat, il a été repoussé au dimanche. אוכל בסעודה מצקת בשר ושותה יין. Il mange dans le repas, qui est le dernier avant le jeûne, בשר, de la viande, ושותה יין. Il boit du vin. Écoutez, אכילת בשר ויין, שתיית יין. Le fait de manger de la viande et boire du vin, minadin, selon la halakha, c'est assur bisoudam afseket. Selon bisoudam afseket. Le minag est de ne pas manger la viande pendant les 9 jours. Ça va, minam minag. Ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre. Une minag, on pourrait se permettre dans le cas où il y a une nécessité, il y a un malade qui a besoin de la filou, s'il faut lui abattre même un taureau pour lui, pour manger un kazaït, on le fait. Mais comme c'est Shabbat, alors on va faire Avelout b'Shabbat, c'est pas possible. Avelout b'Shabbat, c'est pas possible, alors c'est pour cela qu'il est permis de manger de la viande à Sodam Asseket, qui a sur Minadin. Shabbat Rufbosla. Ach lo yamshik et yaudato karagil, et la le afshik et achilaton biaudium kodem ashkia. Mais il ne doit pas du tout traîner son repas plus tard que le coucher du soleil. Donc il faut avoir fini avant le coucher du soleil. ברכת מאוריה אש במוצאי שבת. בוא, מתנות תשעה באב, on va pas du tout faire Abdallah. Ça va, puisqu'on est, on jeûne. Alors, צאת השבת אין מבינין על הקוש. À la sortie du Shabbat, on ne fait pas d'Abdallah. ולא מברכים על הבשמים. Et on ne fait pas de bracha sur les encens. Achala Neri Barichou, mais pour. Le Bessamim. Mais quoi encore? On ne fait pas de Abdallah du tout? Non, on ne fait pas de Abdallah. On fait l'Abdallah dimanche soir. Dimanche soir, on fait Abdallah. Sinon, vous ne pouvez pas manger. Non. Il n'y a pas de Bessamim. Ce dimanche. Rabotai. De manière à ce que ça soit clair pour le public. C'est vrai, le samedi soir, on ne fait pas de Abdallah. Mais l'Abdallah, on a celui qui n'a pas pu faire Abdallah, il a jusqu'à mardi pour la faire. Il ne doit pas manger. Comment il va manger sans Abdallah? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le dimanche soir, quand il vient à la maison, avant de manger, il fait l'Abdallah. Mais cet Abdallah, il ne fait que 2 brachot pour réparer à Geffen et à Mavdil Mekodesha. Ça va. Quand est-ce qu'on fait la bracha sur le nerf, sur la lumière? Minaga olam shikodem kriyatecham mevarichim al nerf bikat borim oreish. Le minag est que
avant la créa de Megillat Echa. Et où vous on lit Megillat Echa? Hein? La Megillat Echa, on la lit dans Beta Knesset. Donc avant de lire dans Beta Knesset Megillat Echa, on fait l'allumage et on fait la bracha sur le nerf. Vorem Oreach, Vitamam, Chehen. Tamam, Chehen, Léhenot, Meor Aner, Vikreatecha, Kodem Shibaychou, Alav. Et le Tam, c'est sûr, le fait qu'on va lire Echa. Et pour lire, il faut éclairer. Et donc, pour pouvoir jouir de la lumière, il faut faire une bracha. Alors, on fait la bracha. Omnam, minagenu lebarech achar kriyatecha, amirat hakenot besof hatefila, kodem amirat v'ata kadosh. Notre minag est de faire la kriyat echa. On dit les kinot, et à la fin de la ki, de la tefila, quand on dit Be'ata Kadosh, alors en ce moment, il faut faire avant, il faut faire l'allumage et bénir. Achanat Be'ata Knesset dit Tisha B'Av. Quand est-ce qu'on prépare Be'ata Knesset? Parce qu'il faut pousser les bancs, il faut mettre les sièges par terre. Alors est-ce qu'on le faire